Faire aller doucement. En réfléchissant sur les questions de mobilité, on s'est aperçu que c'était la société entière qui était mobile, qui était de plus en plus mobile, et que le rapport au temps s'accélère aujourd'hui avec une certaine perte de repères et une certaine instabilité pour certaines personnes, etc. Et que du coup, là, on s'est dit, eh ben, une des solutions, c'est de réintroduire de la lenteur et des repères là où règne l'instabilité et la vitesse. Voilà. D'où notre slogan qui est « Dépêchons-nous de ralentir ». On se dit qu'une société qui s'emballe, un temps de pause serait une belle chose. C'est pourquoi on veut déclarer une grande pause internationale à partir d'aujourd'hui, si vous voulez. Le MRJC, c'est donc un mouvement de jeunes, un mouvement d'éducation populaire qui agit dans les campagnes et donc qui s'intéresse à des sujets de société. Et donc cette année, on s'est intéressé à la question de la mobilité, d'abord celle des déplacements, parce que la mobilité des jeunes en milieu rural, c'est quelque chose qui est quotidien, c'est une problématique quotidienne et qui pose beaucoup de questions en fait pour l'épanouissement des jeunes, etc. On s'est aperçu qu'en fait, c'était toute la société. Il n'y avait pas que les jeunes ruraux qui étaient concernés par la mobilité et qu'au contraire, ça ne touchait pas que les déplacements, que c'était une problématique très complexe et que la société s'accélère en fait. Là où il y a de l'instabilité et puis de la vitesse, nous, on veut réintroduire de la lenteur pour pouvoir dire aux gens aussi, prendre le temps, c'est aussi prendre le temps avec les gens, c'est prendre le temps de la rencontre, du vivre ensemble. C'est aussi accepter des temps de pause où on n'a rien à faire, où on n'est pas productif. Voilà.